Merci Rachel. Alors tu me fais un petit coup de la diva ? Alors, il y a un orchestre de 22 musiciens. Ne panique pas. Place au magazine et au grand format. Bienvenue dans 13h15. Au sommaire aujourd'hui, des portraits croisés de Français avec l'histoire d'une passion, celle notamment de Christian. Il a 61 ans. C'est un ancien proviseur de lycée en banlieue parisienne à Savigny-le-Temple. Christian est passionné de comédie musicale. Chaque année, depuis 22 ans, il réunit environ 200 bénévoles autour d'un projet fou, monter un spectacle digne des meilleurs professionnels. Cette année, avec sa troupe, il s'attaque au génie de la musique, Wolfgang Amadeus Mozart. Du casting aux répétitions, du premier jour au grand soir, nous avons suivi Christian le boss, Sylvain, autiste Asperger, dans le rôle de Mozart, et Rachel, une toute nouvelle recrue, star d'un soir, document signé Claire Lessing, Benjamin Jeunehomme, avec Alexandre Adam. Allez les enfants, on se rassemble. Vous venez s'il vous plaît. On y va. Ah, c'est bien, il y a la place. Hein. Evelyne, elle est où? N'oubliez pas que sur scène, vous êtes grands. Vous êtes des géants. Vous êtes vraiment des géants. Et depuis des années, ce train, il me casse les pieds. Et toujours au moment où je parle, que le train passe. Tenez-vous droit. Regardez droit devant vous. Les chanteurs, il faut que vous en imposiez. D'accord? Sachez une chose, c'est que nous, on vous kiffe du feu de Dieu et on vous aime. Vous êtes en forme? Oui! Allez, on y va! Stressé, fatigué, ce matin je dois sortir tôt de mon lit. Laissons dormir les stars, allons répéter, nous sommes des braves gens. J'aimerais que l'on soit prêt à temps et les surprendre. La comédie musicale, c'est ma vie, faut me comprendre. Là, c'est un jour de casting, voilà. Tout simplement parce que je suis obligé de trouver quelqu'un pour le rôle de la diva. On a perdu notre diva, malheureusement. Elle a des engagements professionnels qui fait que cette année, elle ne peut absolument pas participer au spectacle. Donc, je suis obligé de recruter quelqu'un. Alors, c'est pas évident parce que le rôle de la diva, bien évidemment, c'est une cantatrice. Il faut quelqu'un qui soit capable de chanter du lyrique, qui soit une très bonne soprane et qui soit capable de chanter certains morceaux du répertoire de Mozart. Là, je suis un peu angoissé parce que si jamais j'ai pas de diva, ben, ça veut dire que c'est un personnage qu'on va devoir supprimer du spectacle. Et c'est quand même dommage. C'est dommage. Alors, le chant, tout plat. Bonjour, donc je m'appelle Rachel Castard, j'ai 25 ans. Je suis animatrice en centre de loisirs et j'aide les enfants à faire leurs devoirs le soir. Tu chantes depuis longtemps ? Je chante depuis très longtemps, oui. Je suis rentrée en gospel il y a 8 ans déjà. Je dirais que j'ai une voix plutôt typée soul, R&B. Donc ça va être drôle de me voir faire de l'opéra là tout de suite. Bon. Mais voilà. Bon, on va déjà commencer par ce que tu fais habituellement. Ça sera peut-être pas en entier. She was walking in the street, looked up and noticed it was nameless, it was homeless. She asked him his name and told me what us was. Gave a story about life with a glint in his eye and a corner of a smile. One conversation, simple moment, thing that changes if we notice. Someday soon enough, you will rise up, yeah.
Merci, Rachel. Alors, tu me fais un petit coup de la diva? Vas-y, vas-y. Je t'écoute et je t'arrêterai, t'inquiète pas. Ne panique pas. Merci. Alors, nous, il y aura un orchestre, hein, bien évidemment. Il y a un orchestre de 22 musiciens. Hein, et on reprend exactement la partition de Mozart. Hein. Okay. Voilà. Donc, tu auras un beau support. Tu seras bien accompagné. Hein, et si jamais, on peut même changer un peu la tonalité, tu vois. Si jamais ça monte trop haut, hein, on peut baisser d'un demi-ton. OK. Tu vois, hein, mais ça, on verra. En tout cas, pour moi, ça colle. Hein. OK, hein, d'accord. Hein, ouais. Merci, Rachel. Merci. C'est bien. Merci. Ça, c'est le tout premier spectacle que j'ai monté en 85. Ça, c'est le tout premier. C'est Starmania, en fin de compte. C'est plein de souvenirs. Hein. Pour moi, c'est une passion, si tu veux. Ça. C'est pas nouveau. Hein. Déjà, quand j'avais 14 ans, je disais à mes parents, je veux quitter l'école. Je veux partir, je veux arrêter, je veux faire que de la musique. Je fais de la musique depuis l'âge de 6 ans. J'ai toujours dit, hein, le jour où je m'arrête, il m'arrive de le dire sur scène, le jour où je m'arrête, c'est que je suis mort. Hein. Voilà, c'est comme Dalida, mourir sur scène. Non, je plaisante. Mais... Voilà, mais c'est un peu l'image, quoi. Ah, puis alors ça, alors celui-là, je vais le sortir parce que celui-là, ça, c'est un super parti, magnifique. Au pays des rêves, une comédie musicale présentée par plus de 100 lycéens et collégiens de Savigny. Je leur dis toujours, hein, ce n'est pas parce que vous êtes des amateurs qu'on doit faire un spectacle amateur. On doit se conduire comme des professionnels, on doit être comme des professionnels, on doit montrer un spectacle professionnel au public parce que on doit ça au public. Chanson, gospel, groupe ou soliste, je ne pense qu'à ça, la musique c'est ma vie. De la douche à la scène, j'ai passé plein d'étapes, mon moi me dit merci. Toutes mes journées sont animées par les écoles. Mais quand c'est terminé, je chante, je danse, je deviens fort. Alors, j'ai un micro, mais il ne sera pas branché, il ne fera pas de bruit. D'accord? Mais je vous le donne pour faire genre, vous êtes des stars. Ouais! Ça marche? Ne parlons pas de Bruno, non, non, non. Ne parlons pas de Bruno. Hourra! La voix de l'indire, Mirabelle. Moi, je partage ma passion, là. Je n'ai pas l'occasion de le faire tout le temps. Mais ça fait du bien de voir ce genre de choses. T'aimerais que la musique prenne toute la place dans ta vie ou tu veux que ça... Ouais, ça serait bien. J'aime bien les enfants, mais après, oui, si je peux faire un truc un peu plus dans la musique, je serais encore plus contente, je pense. Traurigkeit fad mir zum Lose, fad mir zum Lose. Inspire, essaie d'étirer le dos. Ouais, ouvre les côtes. Donc le son, bien dans le palais. Mmh.
Donc le dernier qui est grave, on l'imagine quand même en hauteur. Bravo. Oui. Non. Voilà, donne-toi des grands airs. Sol, jet, ex, fa, fi, la. Respire. Oui, bien. Je pense à trop de choses en même temps. J'ai une bonne voix de tête, mais je la travaille pas suffisamment parce que je suis pas habituée à ces notes-là, en fait. Je les fais, enfin, comme je suis tout le temps dans la musique actuelle, il n'y a pas de lyrique dans les musiques actuelles. Donc, du coup, c'est un vrai défi. C'est que des notes que je connais pas trop. Donc voilà, donc ça m'inquiète d'aller dedans parce que je me dis peut-être je vais pas l'atteindre et du coup je me fais peur avant d'atteindre la note, ce qui fait que j'atteins pas la note. C'est tout un truc. C'est hyper. Mais ça va aller. Mais de toute façon, tu les atteins les notes, elles sont tout à fait dans ta tessiture. C'est comment tu vas pouvoir y aller tranquillement pour pousser bien le geste vocal. C'est ton souffle qui fait tout le chemin, rien d'autre. Qu'un musique et guillotine sont les sujets qui occupent mes nuits. À l'heure où d'autres vont au lit, moi je suis sur scène où j'écris un roman. Adolescent de presque 40 ans, cœur libre et tendre, j'ai choisi des voies que bien des gens hésitent à prendre. Je m'appelle Sylvain, je ne sais pas faire de phrases brèves. Mais comme je suis écrivain, y a pas de quoi faire un malaise. Excentrique Asperger, habillé tout en violet. Je rêve d'être un chanteur à succès, même si c'est dur d'aller contre sa nature. Et savez-vous ce qu'il a fait? Il a gracieusement sauté dans ses bras et dit: voulez-vous m'épouser, oui ou non? Et tous ces messieurs, je pense. À partir du moment où j'ai entendu la première fois le comédien le faire, c'est vrai que j'avais envie de refaire ce rire. Et pour mon malheur, je me suis rendu compte que c'était un rire que j'avais assez naturellement quand je suis en période de stress. Donc, c'est voilà. C'est terrifiant comme idée, mais on va dire c'est la seule comparaison que je peux faire entre le personnage de Mozart et moi, quoi. C'est enfin la vraie comparaison, c'est le rire insupportable. C'est bien quand même comme idée. Ce qu'on dit atteint de troubles du spectre autistique avec haut potentiel intellectuel, c'est-à-dire ce qu'on appelait jusqu'à 10 ans un autiste Asperger. Et le côté social n'est pas la qualité première des Asperger. Voilà, donc j'ai toujours été quelqu'un en retrait, et même dans ma vie quotidienne, même maintenant, c'est toujours le cas, quoi. Je suis toujours quelqu'un qui faut des moments d'agacement, des moments de colère ou des moments d'émotion un peu plus intenses pour que j'arrive à me libérer. Et ce sont des moments que j'arrive à vivre quand je suis sur scène, parce que je suis pas moi. Do, re, fa,
On peut faire. En fait, juste... j'étais en train de suivre le piano d'un côté et, les trucs de, et le truc de l'autre. Et ça se décale d'un chouille, mais c'est suffisant pour on peut faire quand juste je le flûte. Il ne faut pas te laisser emporter par le reste. Oui. Pas du tout. Non, mais c'est super compliqué. Il faut que tu gardes tout le temps ton tempo. Tu gardes ton tempo. Tu gardes. Tu t'occupes pas des. Parce qu'en plus, ils sont tous décalés, tu vois. Donc, mais c'est écrit comme ça. Hein. C'est écrit comme ça. Donc. Je vais rester à côté de toi. Là. Avec la résonance, on entend ça. Ah du parfum des roses. Ça va là? Ouais. C'est moi qui me suis planté après. Non, mais c'est pas grave ça. Ouais, on a tout le temps, hein. On n'est pas, on joue pas demain. Hein. Ça s'est bien passé ou ça s'est pas bien passé? Ça s'est pas mal passé, mais moi je suis jamais satisfait de ce que je fais. Alors donc au final, c'est pas assez mitigé quoi quand même. Mais voilà. Moi qui aime bien arriver à des trucs, des bons niveaux d'excellence rapidement, je suis quand je me plante, je suis jamais satisfait de moi et je suis voilà. Donc voilà. Je t'ai pas entendu encore. Tu dois avoir une voix magistrale. Ben, j'espère ben, que... Oui. Non, mais c'est vrai. C'est le point fort. C'est le rôle fort. Ça monte? Ça monte, ça monte. Bien voilà, une vraie princesse. Merci. Super. Enfin, non, c'est pas la princesse. Là, c'est la diva. La diva. En même la diva. Totalement... C'est moi. Voilà, c'est toi la diva. Merci. Monsieur Mozart, quand on commence la répétition, s'il vous plaît? Maintenant. Maintenant. Aïe, aïe, aïe. Quoi? Oh, punaise. Bon. Ne ris pas, toi, vilaine. T'es méchante de te moquer de moi. Aïe, aïe, aïe. Faut que je monte là-dessus, c'est bah, ça? Tu vas voir si t'arrives à monter sur le piédestal. Ce truc-là, là. Il branchera pas sur le récepteur. Pas mal. Du coup, c'est bon. Il y a quoi? Au grand max, il y a deux personnes dedans. Bah, c'est bon. Rachel, est-ce que tu te sens à l'aise? Oui. Ouais. Faut vraiment pas que je bouge et puis pour pas me gamer. Qui bouge? Je suis un peu stressé ce matin. Je sais pas pourquoi, habituellement jamais. Mais là, je suis un peu stressé, je sais pas pourquoi. Peut-être parce que c'est vraiment le premier filage. Voilà, donc... Et puis, bon... Travailler d'une seule main, c'est pas pratique non plus, donc... Mais bon... Je vais vous demander de vous rassembler, s'il vous plaît. Vous allez devant la scène, là-bas, vous allez à court. Alors, moment très important, puisque voilà enfin notre premier filage. Je sais que vous allez avoir un petit peu de tension, un petit peu de stress, mais commencez aussi à vous amuser. Commencez à vous amuser. Laisse-toi tomber dans mes bras, glisse-moi sous tes draps, dérivant jusqu'à l'outrance. Chantons pour les bienséants, les délices de l'indécence. Tatoue-moi sur tes seins, fais-le du bout de mes lèvres. C'est bien de voir tout ça. Quand tu les vois tous, là, c'est merveilleux. Et encore, c'est rien, ce n'est que le début. À monter en puissance, à monter en émotion, ça va être fort.
ré, sur, jet, ex, fa, fi, la, juni, do, dos, amoremus, lacrimosa, di. T'as le rôle où t'as le plus le truc de vocal complètement différent de tout le reste, donc on te remarque, non, tu gères, y a pas de souci, surtout pas. Merci à vous tous, c'était un super filage. Ou bien ne pas être, c'est tout le principe du spectacle. Au-delà des limites, je cherche à me dépasser. Je peux y arriver, tout surmonter. Et vous verrez, venez m'écouter chanter. Elle a fait partie longtemps d'une chorale, parce qu'on habitait à Survigneau-Saint-Georges. Donc elle a fait 3 ans, elle a commencé vraiment à suivre 3 ans de chorale, 3-4 ans de chorale. 3 ans. Et puis... Mais assidue, très assidue. Elle aimait ce qu'elle faisait. Elle a failli faire une carrière de basketteuse. Elle est revenue à la chanson. Mais bon, elle va peut-être y arriver, hein. Je lui souhaite. Bah, le rôle d'une diva, c'est pas facile. Hein. Et je ne suis pas une diva. Je l'ai déjà dit, c'est vrai. Tu ne seras pas dans tes rôles de confort, là. Ah non, du tout. C'est sûr. Hein. Après, la Compagnie du Lac, c'est pour ça que j'ai fait ça. Je voulais sortir de ma zone. Ah, là, c'est... Mais je pensais pas que ça allait aussi loin. C'est vraiment hors de ta zone. C'était pas prévu. Je croyais que j'allais faire les chœurs, moi. Non, mais c'est bien quand même. Bon, là, il y en a 4, mais bon. Voilà. Allez. Bonjour. Allez bien. Ça va. Merci. Bonjour, maître Christian. Salut. Ça va bien. Ça va. Ça va bien. Comme ça. Ça va. Ça va et toi? Oui. Ça va, vous avez fait du... Ça va.
fait du bon rencontre. Ah, excellent, bah, vous verrez. Hein. Bien sûr, si vous l'avez entendu chanter à la maison. Non. Non, c'est vrai? Non. Hein? Elle ne l'a pas chanté encore. Ah bon? Ah bah, vous allez être surprise. Hein. Ah, vous, bah, avez vous avez eu l'habitude de l'entendre chanter du gospel? Oui. Alors là, vous allez être surprise. Alors là, vous allez être vraiment surprise. D'accord. Bonjour. Allez, les enfants, on se rassemble. Vous venez, s'il vous plaît. On y va. Dis donc, Rachel, j'ai rencontré tes parents. Je viens de les rencontrer. Qu'est-ce que j'ai entendu? Ils ne t'ont jamais entendu chanter les morceaux du spectacle, ils m'ont dit. Non. Ça a été une surprise pour eux. Hein. Je ne révise pas l'opéra dans ma maison. Allez, on y va. Bon spectacle à tous. Vas-y, vas-y. Hein. Et en haut, tu sers. Ouais. Voilà. Là, je suis dedans, là. En plus, on n'est pas tout seul, il y a du monde dans la salle, donc, et on filme toute la pièce aujourd'hui, donc oui, il y a une petite pression qui s'installe quand même. Ça va aller, c'est trop bien. Oui, franchement, ouais, mais sinon, non, c'est les notes finales, elles viennent pas, je suis dégoulinant. C'est parce que t'es passé en voix de tête au dernier moment. Oui, mais c'est ça. C'est pas grave, ça rend le truc, c'est nickel quand même. Faut pas tout de suite aller dans le négatif, toi. Le public, il a adoré, il a kiffé. Pour relativiser un peu, tu vois, j'étais tout ça, tu vois, c'était franche, c'était bien. Merci. Ouais. Toujours quand on veut, c'est toujours quand on veut faire le mieux qu'on fait toujours le pire, de toute façon. Il faudrait se faire à l'idée, une bonne fois pour toutes. Allez, à toi fierté, parce que c'est vrai, je les amène au maximum de ce qu'ils sont capables de faire. Ça marque le début de quelque chose, en fait. Ça y est, je suis montée sur scène, c'est important pour moi. C'est une belle chance, une belle opportunité d'être mis en avant.
ça stimule l'envie d'aller plus loin. Voilà pour cette belle histoire. Vous nous retrouvez sur franceinfo.fr, rubrique magazine, dans un instant Marie Drucker et au bout de l'enquête, à ce soir 20h pour toute l'actualité et pour 20h30 le samedi. Bel après-midi. Des plaisanciers qui découvrent une valise avec un cadavre à l'intérieur et une incroyable enquête à rebondissements qui démarre. L'affaire Farid Ouzane, c'est tout de suite.